pieces still undiscovered. But you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems just for the moment. That is the kind of story you should see. Ce joli gilet mandala, il va vous falloir. Donc pour la taille S, j'ai utilisé 4 pelotes de laine Caprice. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai utilisé la couleur 81. Voilà, pour avoir ce joli rendu. Donc 4 pelotes. Pour une taille M, je vous recommande 5 pelotes. Pour une taille L, 6 pelotes. Pour une taille XL, 7 pelotes. En fait, pour chaque taille supplémentaire, vous voyez une pelote. Parce que il y a vraiment beaucoup de métrage et du coup, on peut vraiment beaucoup travailler avec. Donc, 4 pelotes, donc 400 g de laine pour une taille S, donc un peu moins, environ 350 g. Et vous allez voir que il est énorme en fait. Il est vraiment très très grand au moment de le porter et tout. Il enveloppe vraiment bien. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet 4,5, donc pour la partie principale. Et juste pour la partie des manches, donc environ de là à là, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4. Ensuite une aiguille à laine et une paire de ciseaux, tout simplement. Ah oui, et j'oubliais, j'ai utilisé une broche, vous voyez, pour fermer le gilet. Donc c'est une broche en bois, elle est très très jolie, vous en trouvez plein sur notre boutique. Donc je vous invite à aller voir. Voilà. Donc sur ce, oui, on peut commencer. Donc avant de commencer, je vais vous donner donc les mesures du gilet. Donc ici, donc là il est plié, hein, le col. Donc de là à là, une fois porté, c'est-à-dire, il fait 79 cm. Donc c'est un long gilet. Maintenant, si j'ouvre le col, donc ici, il ne rentre même pas dans l'écran. Il est vraiment, vraiment grand. Il ferait, donc si j'ouvre le col, 97, attendez, je vous le mets bien, oui, 97 cm. Maintenant, une fois donc plié comme il est censé rester sur vous, donc rappelez-vous, c'est pour la taille S, il fait, donc bien sûr c'est approximatif, hein, de 1 ou 2 cm, ça dépend comment on le positionne, ça peut changer un petit peu. Donc ici à là, il fait 41 cm. Que vous dire de plus? Donc je vais vous mesurer également les manches, tant qu'on y est. Donc ici, de la formation de la manche jusqu'à la fin de la manche, on est sur 51 cm. Voilà. Donc ici, de largeur, ben, c'est la même chose que de l'autre côté. On est sur du 97 cm si je l'ouvre. Voilà. Donc les couleurs, comme vous pouvez voir, elles sont absolument magnifiques. Donc ça, c'est la Caprice. Vous voyez qui donne cet effet-là. Et je ne vous raconte pas comme il est doux. Hein. Il est super moelleux, super doux. Donc, vous êtes vraiment nombreuses à connaître maintenant la laine Caprice. Elle est vraiment très, très douce et très agréable à porter. Donc, voici les mesures de données pour ce joli modèle. Vous avez pu voir, en fait, au début de la vidéo, des photos de lui, donc, ouvert et porté. Voilà. Donc, voici ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc, pour le fermer, je vous conseille donc une petite broche, vous en avez plein sur notre boutique. Tout simplement, quand vous l'avez positionnée autour de vous, ce que vous faites, c'est que vous placez la broche, vous voyez, c'est comme pour le cardigan style Chanel. Vous attrapez les deux couches d'ouvrage, vous voyez, et vous venez piquer. Et c'est bon, c'est complètement fermé. Vous voyez, ça ne se détache pas. C'est tout simple comme méthode, mais c'est trop bien. Pour moi, c'est mieux que les boutons. Déjà, c'est plus pratique et c'est beaucoup plus original en fait. Donc voilà, donc le gilet mandala est adaptable en n'importe quelle taille, vous allez voir, c'est une logique très très simple. Et en fait, il faut juste continuer le cercle jusqu'à que ça fasse la largeur de votre dos. C'est tout. Ensuite, on formera les manches, vous allez voir, je vous explique tout dans la vidéo. Et puis voilà, il est très facile à réaliser, j'espère vraiment qu'il vous plaît.
Ce magnifique gilet mandala, je vais vous le faire cadeau. Donc ça tombe bien puisque c'est bientôt Noël. Donc tout simplement pour le remporter, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc peu importe comme d'habitude le montant de la commande, ni les articles achetés. Tout simplement toutes les commandes que j'aurai reçues, donc de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vous ai marquée sur l'écran. Tout simplement toutes les commandes, donc tous ces numéros de commandes là, je les mettrai dans le logiciel qui s'appelle Pickout et je tirerai au sort une personne. Cette personne là recevra à la maison donc ce cardigan. Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Donc là, vu que c'est bientôt Noël en fait, je vais prendre quelques jours de vacances et donc ça pouvait pas manquer comme chaque année. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joli Noël, de très jolies fêtes de fin d'année, accompagnées de vos proches. Amusez-vous bien. Donc je vous souhaite aussi pour la nouvelle année plein de santé. Donc ça, c'est le principal. Beaucoup de sous, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce qu'il faut pour être heureux en fait. Voilà. Donc sur ce, oui, on va commencer. Avant de commencer, je vais vous faire un petit croquis. Donc tout simplement, on va dire que vous êtes ici. Vous avez le cou, les épaules, les bras. Donc là, bien sûr, c'est approximatif. Donc maintenant, que je vous explique. On va commencer par le centre du cercle qu'on doit obtenir, puisque le gilet mandala, c'est un cercle que l'on va transformer en gilet. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, en augmentant, on va obtenir un cercle. Ensuite, une fois qu'on a ce cercle, on va venir diviser ce travail, vous voyez, ici, en faisant des mailles chaînettes pour former les bras. C'est ici qu'ils vont aller les bras, vous voyez. La partie d'en bas est beaucoup plus grande que la partie ici d'en haut, donc au niveau du cou, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, le cercle, c'est quand que vous devez l'arrêter. Sûrement que vous allez vous poser cette question. Tout simplement, quand le cercle aille juste avant les bras, vous voyez, vraiment aux aisselles. Quand le cercle arrivera comme ça. Vous voyez, vous allez avoir l'impression, vous voyez, là c'est le cercle, le gilet mandala. Vous allez avoir l'impression qu'il est tout petit et vous allez dire, mon Dieu, mais comment je vais faire pour passer ensuite le gilet? Alors, il faut juste, vous voyez, que le cercle ici aille en dessous les bras. Dès que ça vous arrive en dessous les bras, vous arrêtez. Là, nous allons former donc les mailles chaînettes pour passer justement les bras. Vous voyez, ici d'un côté du cercle et ici de l'autre côté du cercle. Vous voyez, on va faire les ouvertures pour passer justement les bras. Et vous allez laisser donc une partie libre pour le cou et ensuite cette partie-là. Une fois qu'on aura formé les manches, on va continuer à travailler en rond. Et le rond, il va s'élargir. Et ça va vous donner votre gilet mandala. Et au moment de le mettre, le col va se retrousser, ça va faire trop joli. Vous allez avoir un gilet beaucoup plus long derrière que devant, donc ça c'est tout à fait normal. Et vous allez avoir des demi-lunes devant au moment de le porter. Donc voilà, ce qui est très important dans cette explication, c'est comment vous allez former les manches. Vous avez le cercle comme ça, donc vous avez un cercle. Vous allez diviser ce cercle en 6. Donc vous allez commencer, donc c'est approximatif, mais essayez que toutes les parties aient la même taille. Vous prenez des marqueurs et vous divisez en 6. Vous allez laisser une partie ici pour le cou, ensuite une deuxième sur le côté, vous voyez, de chaque côté. Vous voyez, automatiquement ici, vous voyez que c'est divisé bien en 6. En 6 parties, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le cou, vous la laissez libre. Et les deux morceaux que vous allez laisser là, c'est ici collé que vous allez former les manches. Donc là, oubliez les manches que j'ai fait tout à l'heure. Vous prenez ici la partie du cou que vous avez laissé libre. Et directement là, vous commencez à former vos manches. Donc ici et ici. Vous voyez ? Et ensuite, tout ça, normalement, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on va former les manches. Parce que sinon, si vous laissez beaucoup plus d'espace ici au niveau du cou, le problème, c'est que vous allez avoir un col beaucoup trop grand. Donc, moi, je vous explique, moi, personnellement, comment il faut faire.
Donc c'est ce que je vous conseille. Vous le mettez sur vous quand il arrive ici. Vous voyez, je vous disais, le rond de base sous les bras. Vous divisez en 6 approximativement. Et vous allez former les manches à partir de là. Dans le modèle original donc, que j'ai crocheté en créant le modèle, tout simplement ici, j'ai laissé peut-être un tout petit peu trop de motifs. Vous avez un col vraiment large. Maintenant, si vous voulez un col, on va dire, plus normal, vous allez tout simplement laisser moins de motifs. C'est pour ça que cette explication est très utile parce que une fois que j'ai terminé le modèle, évidemment que je peux l'améliorer, vous voyez, parce que je l'ai fait, donc je sais où pourraient aller les améliorations. Donc ça, pour moi, c'est parfait. C'est la façon que n'importe quel gilet mandala, vous allez venir diviser pour avoir le résultat parfait. Vous voyez, en 6 parties, vous en laissez une pour le coup. Et ensuite, dans ces 2 parties, vous laissez le nombre de mailles chaînettes que vous souhaitez. Tout simplement. Donc sur ce, oui, on va commencer. On va commencer le gilet, donc par le centre du dos. Et on va commencer en faisant un nœud coulant. Donc vous attrapez le tout petit morceau de laine et vous allez venir tourner autour de vos doigts avec le long morceau qui est relié à la pelote, vous voyez. Vous venez tourner et vous croisez avec le petit. Maintenant, vous venez le tenir avec le petit doigt. Vous venez passer sous la première boucle avec le crochet. Ramenez ce fil-là, vous le faites glisser. Vous tournez un petit peu. Et vous faites une maille en l'air. Maintenant, le nœud coulant, il est complètement fixé. Vous voyez? Là, on est prête pour travailler. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on vient lever 4 mailles en l'air au total. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et toujours dans le nœud coulant, que vous pouvez rétrécir un petit peu. Ce sera peut-être plus facile de travailler à l'intérieur ensuite. Toujours dans le nœud coulant, vous faites une bride. Là, on a formé une petite V. Et bien, au total, il nous en faut 6. Donc, directement, vous commencez, donc dans le nœud coulant, à répéter la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Là, on l'a répété, vous voyez, 2 fois au total. Et bien, vous allez continuer jusqu'à avoir au total 6 V. Donc, on va faire la troisième, une bride. Une maille en l'air et au même endroit, une bride. De nouveau, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc là, on a 1, 2, 3 et 4. On continue. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et on recommence pour la sixième fois. Une bride. Une maille en l'air et au même endroit, une bride. Et là, on a les 6 V qui se sont formés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a ceci, vous venez avec le nœud coulant, le serrer. Donc ne tirez pas trop fort, vous tirez mais petit à petit. Une fois qu'on a ceci, on va venir unir en comptant 1, 2 et 3. Dans la troisième maille en l'air, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. On a terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième rang, on va faire une maille en l'air et on va venir au centre de la première V. Donc entre les 3 mailles en l'air et la bride suivante. On écarte, il y a un petit rond. Vous faites une maille serrée. Maintenant, vous faites une, deux, et 3 mailles de séparation. Et au même endroit, on repique et on va venir faire une deuxième maille serrée. Vous voyez? Et bien ceci, c'est ce qu'on va venir répéter dans absolument toutes les V. Donc on va dans la V suivante. Donc regardez. Ici, dans la V suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air. Et la maille serrée. Vous voyez? Entre chaque motif, il y a 2 brides qu'on ne touche pas, puisque c'est les brides des 2 V en fait. Donc celle-ci et celle-ci, on ne la touche pas, on va dans la prochaine V. Et vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et vous allez répéter ceci dans toutes les V que vous avez.
De nouveau, je vais dans la vaie suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Dans la vaie suivante, je répète, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et dans la dernière V qu'il nous reste, pareil, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Vous voyez ? Là, on a complètement terminé. Maintenant, on va venir unir ici à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Là, nous avons terminé le deuxième rang. Le troisième rang, on va venir faire une maille coulée dans la V précédente, mais en passant par derrière les trois mailles en l'air. Donc, vous passez par derrière les trois mailles en l'air. Vous voyez ? Là, je les ai sur mon crochet. Je pique dans la V. Et je fais une maille coulée. Maintenant, une fois qu'on a fait notre maille coulée, vous voyez qu'on est placé derrière ces trois petites boucles. On vient lever quatre mailles en l'air. Et au même endroit, toujours dans la V précédente, vous voyez, vous passez par-dessous les mailles en l'air et vous atterrissez automatiquement dans la V. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites une bride. Vous voyez ? Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et au même endroit, une bride. Qu'est-ce qu'on a fait par là ? On a fait une augmentation. Parce que de une V, on est passé à deux dans le même espace. Vous voyez ? Et dans toutes les V, on va répéter exactement ceci. Ces trois brides séparées d'une maille en l'air. Donc là, je pars directement dans l'autre V. Je passe par-dessous les mailles en l'air. Je pique dans la V. Je ramène le fil et je fais une bride. Une maille en l'air. Au même endroit toujours, une bride. Une maille en l'air. Et toujours au même endroit, une troisième bride. Et là, j'ai refait une augmentation. Vous voyez ? Et le relief, du coup, reste vers nous. Donc, je passe maintenant ici, dans la V suivante, et je refais la même chose. Mes trois brides séparées d'une maille en l'air. Vous voyez ? Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé tout le rang, vous voyez, numéro 3. Les rangs impairs, ça va être tout le temps des rangs de brides. Et les rangs pairs, ben les rangs de bouclettes. Donc, une fois qu'on a terminé, vous voyez, de faire nos 6 augmentations, on vient compter 1, 2 et 3. Dans la troisième maille en l'air de départ, vous piquez et vous faites votre maille coulée. Et là, on a uni complètement le rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4, ça va être comme le rang numéro 2. Donc, une maille en l'air. Ici, j'ai le groupe de 3 brides séparées d'une maille en l'air. Et bien ici, dans chaque espace, je vais répéter ceci. Une maille serrée, 3 mailles en l'air de séparation et au même endroit, une maille serrée. Maintenant, je vais dans l'espace suivant, entre la deuxième et la troisième bride. Et je recommence. Une maille serrée. 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Je vais dans la V suivante et je répète. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Dans la V suivante, pareil. 1, 2, 3 et une maille serrée. Maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée. Ça va aller tout seul hein, au bout d'un moment. Donc, je suis sûre que il y a beaucoup de personnes là, qui sont en train de regarder la vidéo qui ont déjà fait par exemple le châle dentelle ou la brassière bébé dentelle. Donc vous connaissez forcément le point. Mais même si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un point très très simple. J'avais fait une blouse aussi pour femmes avec ce joli point. Quand on trouve des jolis points comme ça, il faut les exploiter comme on dit. Donc je passe à la V suivante et je vais venir répéter ça comme je vous disais jusqu'à terminer complètement le tour. Donc là, je vais un peu plus vite. Vous allez crocheter aussi très très vite après, hein, parce que le point, il est vraiment simple. Une fois que vous avez terminé tout le rang, vous venez unir à la première maille serrée de départ. Vous voyez, vous devez avoir ici 12 petites boucles.
C'est exactement comme les amigurumi, exactement, en fait, c'est la même logique. Donc c'est, ici, on avait 6 V, maintenant on en a 12, après on en aura 18, et en chaque fois, ça va grandir de 6 V. Donc, une fois qu'on a terminé le quatrième rang, on va passer au cinquième. Rappelez-vous, c'est un rang impair, donc on fait les V. Vous venez faire votre maille coulée, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous montez avec les 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Toujours derrière, en passant derrière, vous atterrissez dans la V, vous piquez, vous ramenez le fil. Une bride. Là, j'ai fait une V individuelle. Et bien, dans la V suivante qui est juste à côté, je vais venir faire une augmentation. Donc, les 3 brides séparées d'une maille en l'air. Donc, au même endroit, une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième bride. Vous voyez? Ça, c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. Donc je recommence une dernière fois avec vous. Je passe sous les 3 mailles en l'air, j'atterris dans la V précédente. Je fais une V normale, donc c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez? Maintenant, après ceci, dans la petite V suivante, une augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai complètement terminé, voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, on unit, ici pareil que tout à l'heure, on a les 4 mailles en l'air. Vous comptez la troisième et dans la troisième, vous faites votre maille coulée. Maintenant, le rang numéro 6, c'est exactement comme le rang numéro 4 ou le rang numéro 2. Donc, une maille en l'air. Ici, dans la première V que vous avez devant vous, vous venez piquer, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Maintenant, dans la V suivante, pareil, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Donc, tous les rangs pairs, vous faites dans chaque V, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Très très simple. Et vous passez directement à la V suivante avec une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer intégralement le rang. J'ai complètement terminé donc le rang numéro 6. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est unir ici par une maille coulée. Donc je viens dans la première maille serrée et je fais ma maille coulée. Maintenant, donc la séquence qu'on devrait suivre, on a fait une V normale et dans la suivante une augmentation. Donc là, on devrait faire deux V normales et une augmentation. Donc moi, personnellement, dans le gilet, je vais vous montrer, terminé. J'ai suivi, vous voyez, la séquence normalement, comme on pourrait le faire pour n'importe quel amigurumi, ou vous voyez la même séquence, c'est-à-dire le 3, le ici, une V, une augmentation, ensuite 2V, une augmentation, 3V, une augmentation, 4V, une augmentation, et j'ai suivi cette séquence jusqu'à là, vous voyez? Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien le cercle en fait ne reste plus cercle en fait, il reste plus du tout rond à 100%. C'est pour cela que quand vous voyez que votre cercle devient en fait avec des côtés droits, vous voyez, qui ne reste plus du tout rond, mais qui fait tac, 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 vous voyez, il aura 6 côtés. À ce moment-là, on va venir casser la séquence. Casser la séquence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que au lieu de suivre la séquence normalement, donc là par exemple, je devrais faire 2 V individuels et dans la suivante, une augmentation. Eh bien, par exemple ici, un exemple que vous pouvez faire, ça serait une V individuelle, une augmentation, vous voyez? Et ensuite, je reprendrai la séquence normale. 2 V, une augmentation, 2 V, une augmentation, 2 V, une augmentation. Et à la fin, vous terminez par une V individuelle qui viendrait compléter la V ici, vous voyez, du départ. Donc, je ne sais pas si je suis claire exactement, mais je vais vous donner donc un exemple. Donc là, on va le faire ensemble. Regardez. Vous faites une maille coulée. Vous pouvez le faire, en fait, dans tous les rangs. Alterner un rang où on suit la séquence normale, par exemple. Et dans le rang suivant,
faire en fait le rang où on change la séquence, vous voyez? Et si on ferait ça, ben, votre rond en fait il reste toujours rond. Donc c'est la logique de ce gilet. Donc ce qu'on va faire maintenant que j'ai fait ma maille coulée, je monte avec les 4 mailles en l'air, vous voyez? Et je fais une bride au même endroit. Maintenant, dans la V suivante, je fais une augmentation. Donc ça, c'est vraiment que le départ. Hein. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Une fois qu'on a fait ce départ-là, vous voyez, on va reprendre la séquence normale qu'on aurait dû faire tout le long. C'est-à-dire, 2V, donc une bride, une maille en l'air, et une bride au même endroit. Là, j'en ai fait une individuelle. Maintenant, j'en fais une deuxième individuelle. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et maintenant, une fois qu'on a fait ces 2V individuelles, on fait l'augmentation. Vous voyez, parce qu'on est en train de faire la séquence normale. Donc, dans la V suivante, vous piquez et vous faites votre augmentation. Une bride, une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air et une bride au même endroit. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter ici. Donc, 2V individuel et dans la suivante, une augmentation. 2V individuel, une augmentation. 2V, une augmentation. 2V, une augmentation. Et vous allez voir que la dernière, elle va être normale. Puisqu'elle va venir compléter celle qui est toute seule ici. Et du coup, on aura les 2V. Vous voyez qu'on doit avoir. Et la séquence, en fait, sera un toucher. C'est juste qu'on la déplace, vous voyez, pour que les augmentations ne tombent pas les unes sur les autres. Puisque c'est là qu'il va se former la forme, en fait. Donc, comme nous, on veut un cercle normal, eh bien, on change l'endroit de l'augmentation. Et comme ça, vu que ça ne tombe jamais au même endroit, eh bien, en fait, on va obtenir un joli cercle. J'ai quasiment terminé la séquence. Et comme je vous disais, regardez. Donc, j'ai répété la même séquence, 2V individuelle et une augmentation. Et à la fin, vous avez une V de libre. Donc, comme je vous disais, eh bien, vous faites une V individuelle par-dessus. Et de cette façon, vous voyez, on a complété la première V du départ. Donc, maintenant, vous venez unir par une maille coulée. Et comme tous les rangs pairs, en fait, c'est exactement les mêmes. Donc, c'est-à-dire, on fait une maille en l'air. On vient à l'intérieur de la V faire une maille serrée. 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et dans toutes les V, on va venir répéter ceci. Donc là, par exemple, j'ai l'augmentation. Dans chacune des V de l'augmentation, une maille serrée, 3 mailles en l'air et au même endroit, une maille serrée. Je passe à la V suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée. Ça, c'est ce que vous allez venir répéter dans tous les rangs pairs normal. C'est pas dans ces rangs-là qu'on fait des augmentations ni quoi que ce soit. J'ai terminé complètement le rang. Donc maintenant, je dois faire le rang où il y a les V. Donc tout simplement, on vient donc faire la maille coulée par en dessous la boucle, donc comme d'habitude. Et on peut lever donc nos 4 mailles en l'air. La séquence qu'on doit faire là, donc précédemment, on avait fait les 2 V individuels et une augmentation. C'était ça la séquence. Maintenant, ça va être 3 V, une augmentation. Et chaque rang en fait de V, on va rajouter une V individuelle à la séquence, tout simplement. C'est très simple. Hein? Donc là, on a fait la première, on fait la deuxième. On va venir faire la troisième. Et maintenant, dans la suivante, on fait l'augmentation. Donc les 3 brides séparées d'une maille en l'air, vous voyez? Et on va venir en fait alterner ceci. Vous voyez, on va faire un rang où on suit la séquence tout à fait normale. Et un rang où on va venir la casser en fait, la séquence. Comme ça, on va avoir un cercle. Ça va toujours rester un cercle. Il ne faut vraiment pas que les augmentations tombent exactement au même endroit que la précédente. C'est tout ce qu'il y a à savoir. En fait, finalement, là, par exemple, j'ai suivi la séquence. Dans le rang suivant, on aura 4 V à faire. Donc, ces 4 V, vous allez... Ben, vous regardez où est l'augmentation. Par exemple, elle est là, ici. Donc, je vais faire dans le rang suivant. Ici,
je vais faire une V individuelle, une augmentation. Pour commencer, vous voyez, pour vraiment que l'augmentation, elle tombe pas à côté. Et ensuite, je ferai mes 4 V individuelles, une augmentation, 4 V individuelles, une augmentation. Et comme vous allez commencer par une V individuelle, vous terminez avec les V donc qu'il vous faut pour poursuivre la séquence. C'est-à-dire, on terminerait par les 3 V pour compléter elle toute seule qu'on aurait fait au début. Vous voyez ? C'est tout simple. Donc, vous cassez la séquence comme vous avez envie. Hein. Vous avez juste qu'à regarder où est l'augmentation précédente. Et donc, du coup, si elle est là, ben, vous essayez de la décaler un petit peu. Vous voyez, comme ça, le cercle, il sera toujours en mode cercle. Et il ne fera pas, donc, les 6 côtés. Donc, on ne veut pas. Donc, du coup, on continue. Normalement, vous voyez, vous continuez à travailler sans vous poser de questions. Ça va se former tout seul. Vous voyez, à partir de là où on a cassé la séquence doit rester normale. Après, hein, on a fait le début. Bon, là, dans ce rang, je fais donc normalement. Mais dans le rang où on va casser la séquence, ensuite, après avoir cassé la séquence au départ, vous reprenez la séquence normalement jusqu'à la fin. Donc là, j'ai 3 V. Dans la prochaine, je dois faire l'augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et une bride. Vous voyez ? Donc, j'espère avoir été claire. Dans le tutoriel ici, je vous donne des astuces que je n'ai pas forcément suivies dans le modèle original, puisque le modèle original, à chaque fois, vu que c'est des créations, donc c'est des créations à moi, eh bien, forcément, en crochetant, je vois qu'il y a certaines choses que j'aurais dû changer, pour que ça soit parfait, donc je vous les partage dans la version définitive, donc dans le tutoriel. Et donc, une des astuces, c'est d'alterner chaque fois un rang où on suit la séquence normale et un rang où vous allez venir casser la séquence et vous allez obtenir donc un cercle. Donc, la question que certaines personnes vont se poser là tout de suite, c'est à quel moment on arrête le cercle? Bien, le cercle, en fait, il faut que ça fasse la largeur de votre dos, tout simplement. C'est très facile. Donc, vous regardez la largeur maximale qu'il a, vous voyez, et vous mesurez le dos, tout simplement. Quand vous voyez que c'est la bonne largeur, vous arrêtez, on formera les manches. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez voir dans la vidéo que je vais former les manches et je vais vous donner des astuces pour former les manches, pour être sûr que ça vous va, en fait. Donc, pour faire les manches, tout simplement, je vais vous donner donc une autre astuce maintenant. En fait, on va dire que ici, vous avez la largeur de votre dos. Donc ici, vous voyez, la partie la plus large, c'est bon, on a la largeur du dos, etc. En fait, vous allez tout simplement déjà vous accrocher avec une autre laine. Donc peu importe quel fil vous avez à la maison. Vous faites des mailles chaînettes, vous voyez, que vous venez accrocher. Et vous allez passer ce morceau-là autour de vous. Et vous allez voir si c'est bon, si vous vous sentez bien déjà, avec, si les manches sont placées au bon endroit. Donc pour vous faire une idée, vous allez venir partager ça en 6, dans votre tête, vous voyez, avec, ou avec des marqueurs approximativement. Donc ici par exemple, on aurait une partie, 2, vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien les manches, ils doivent aller donc, en laissant cette partie d'en haut libre, dans les deux sur le côté. Donc moi, quand j'ai formé les manches dans ce cardigan là, donc dans le cardigan qui est complètement terminé, pour être honnête avec vous, j'ai laissé peut-être un petit peu trop de motifs, donc du coup j'ai un grand col. Donc si vous voulez un col moins grand, vous voyez, moins enveloppant on va dire en haut, et bien tout simplement, vous voyez, quand j'ai formé les manches ici, ils ont été espacés, donc je les ai espacés, vous voyez, pas mal. Donc, ce que vous faites, c'est que vous placez les manches un petit peu plus haut. Vous voyez? Là, c'est la largeur de mon dos. Vous voyez? Et bien, vous les placez juste un peu avant. Donc, juste là. Vous voyez? Et le col, en fait, forcément, il sera plus petit au moment de vous enrouler avec. Vous n'aurez pas un énorme col, en fait. Vous aurez un col, comment vous expliquer? Plus normal, on va dire. Là, il est vraiment grand. Vous voyez, donc si vous êtes frileuse, etc., ben, ça, vous allez aimer. Mais si vous voulez un gilet plus basique, on va dire,
au niveau du col, eh bien vous faites les manches un petit peu plus près, vous voyez. Donc c'est-à-dire, par exemple, 3-4 motifs avant et 3-4 motifs avant. Et là, vous continuez. Comptez bien une chose, c'est qu'une fois après avoir formé les manches, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangs qui suivent. Donc ça, il faut le tenir en compte. Vous allez avoir l'impression que votre gilet, il est tout petit et tout, mais pas du tout, il est vraiment très, très long. Donc, voilà. Donc, une fois que les astuces, donc toutes les astuces que je vous ai données, c'est bon, on va continuer le tutoriel. Et vous avez vu, ça fait un cercle. Ça fait vraiment super joli. J'ai terminé donc cette partie-là. Donc, regardez ce que ça doit vous donner. Ça doit être bien rond, vous voyez. Donc, après, si c'est pas parfait, c'est pas grave du tout. Hein. À la fin, vous verrez, on va faire des finitions et tout, ça se verra plus. Donc, de largeur totale, moi, j'ai laissé 45 cm. Donc, pour taille S. Maintenant, vous pouvez laisser plus ou moins, à vous de voir. Il faut que ça fasse bien la largeur de votre dos, mais que vous soyez bien à l'aise. Ensuite, j'ai délimité les manches. Comment j'ai fait pour délimiter les manches? J'ai mis donc ça sur moi, contre moi en fait, et j'ai regardé là où je voulais qu'il y ait les manches. Après, il faut savoir qu'on va travailler en circulaire, en circulaire, en circulaire, et ça va grandir. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture donc des manches, et tout ça, on va le faire avec des mailles en l'air. Donc, j'ai déjà un gilet mandala, enfin j'en ai deux, de gilets mandala sur la chaîne. Donc forcément, vous avez dû voir comment je m'y prends. Donc ici, on va respecter le motif, ça va être très facile. Donc déjà là, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour taille S, hein, j'ai fait tout le dos. Et il me reste encore tout ça de la première pelote. Donc vous voyez que c'est vraiment très économique, cette laine-là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air. Vous n'êtes pas assez près. Et vous allez venir commencer à travailler comme on faisait d'habitude. Ici, on a la première V. Donc dedans, vous faites une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée. Je vais dans la V suivante et pareil, une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée. Donc vous devez terminer tout ce qui est la partie du dos par un rang où il y a des V. Et comme ça, dans le rang ici où on va faire les petites boucles, on va former les manches pour tout le monde. Donc on continue en faisant le motif normal jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Vous voyez, donc regardez, moi personnellement, là où j'ai mis les marqueurs, là je vais crocheter, vous voyez, dedans, là où il y a le marqueur, une maille serrée, trois mailles en l'air et la maille serrée, vous voyez, puisque je vais pas les laisser libres, ni celui-là, ni celui-là. Donc maintenant, j'enlève le marqueur, ici c'est comblé, on peut l'enlever. Ici, j'en ai 8. Entre marqueur et marqueur, j'avais 8 petites V. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que là où il y a la petite V, le marqueur, ici, on va venir le combler, ça, ce trou-là. Donc, ici, j'en ai 8 de libre. 8 x 3, donc c'est exactement comme ça que vous allez faire. Hein. Si vous en avez 10, vous devez monter 30 mailles chaînettes. Moi, j'en ai 8, par exemple. Donc là, 8 x 3, 24. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, mailles chaînettes. Une fois que j'ai les 24, je vais venir sauter tous les motifs et je vais venir travailler là où j'avais le marqueur. Donc je pique dedans la petite V qui était marquée et je fais ma maille serrée. Mes trois mailles en l'air et ma deuxième maille serrée. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai formé ma manche. Vous voyez que, regardez, quand on l'ouvre, j'ai suffisamment d'espace, en fait, pour pouvoir passer mes bras. Donc, après ceci, vous allez travailler le motif habituel. Donc, c'est-à-dire maille serrée, trois mailles en l'air, maille serrée dans chaque petite V, jusqu'à arriver à votre prochain marqueur. Donc là, je passe dans la V suivante. Une maille serrée, trois mailles en l'air et au même endroit, une maille serrée. Je vais dans la petite V suivante et pareil, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. Ici pareil, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. De nouveau, une maille serrée, trois mailles en l'air, une, deux, trois, et une maille serrée dans la V suivante. On continue, on continue, on continue jusqu'à arriver au prochain marqueur et on se retrouve. Je suis arrivée à mon autre marqueur,
Donc quand on arrive ici, c'est très simple. Donc pareil, là où il y avait le marqueur, rappelez-vous, à l'intérieur, on vient faire une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée. Maintenant, pareil, je vais venir travailler 24 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 mailles chaînettes. Maintenant qu'on a les 24, donc on va venir tout simplement travailler là où il y a le marqueur suivant. Donc on l'enlève. Et là où il y avait le marqueur, on vient faire donc le motif habituel. Une maille serrée, trois mailles en l'air et toujours au même endroit, une maille serrée. Maintenant, on a formé la deuxième manche. Ce que vous allez faire pour terminer, c'est très simple, c'est venir travailler ici jusqu'à là, vous voyez, et en petite boucle normalement, comme on a fait tout le long du tour. Je vais dans la petite V suivante et je fais une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée dans la petite V. Je vais dans la V suivante et je recommence. Vous voyez? J'ai complètement terminé mon tour. Maintenant, il ne me reste plus qu'à unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Et là, je vais dézoomer et je vais vous montrer donc ce qu'on a obtenu à la fin de ce rang. Voilà ce que j'ai obtenu, vous voyez, à la fin du rang. Donc vous avez un cercle et vous avez vos deux manches de complètement marquées ici. Vous voyez, avec les 24 mailles chaînettes, donc moi dans mon cas. Donc là, on est prête pour commencer à travailler autour de ces mailles chaînettes. On va reprendre en fait normalement, vous voyez, en travaillant, jusqu'à pouvoir envelopper tout le devant de son corps. Donc, très important, c'est que moi, je m'étais arrêtée pour la taille S, rappelez-vous, avec les 12 V, une augmentation, etc. Donc, vous, ça dépendra où vous êtes. Si vous vous êtes arrêté, par exemple, vous faites une taille un peu plus grande et que vous avez fait, par exemple, 15 V, une augmentation. Là, dans le rang qu'on va prendre maintenant, on va passer, vous auriez fait 16 V, une augmentation, etc. Vous voyez? Moi, la séquence que je vais continuer c'est 13 V, une augmentation. Vous voyez? Tout simplement. Très important pour les manches aussi, une petite précision, c'est que ce qui est le mieux, vraiment ce que je vous recommande, hein, pour pas défaire en fait la caprice hein, après, pour pas être sûr, etc. Vous prenez n'importe quelle laine que vous avez à la maison et vous allez faire un rang, donc juste là, juste en haut. Vous mettez, vous vous accrochez en fait provisoirement, ici, pas un rang entier, hein, mais vous vous accrochez ici. Vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous croyez là où vous pensez que ça va vos manches, mais provisoire, hein, vraiment, hein, qu'on puisse enlever de nouveau la laine. Donc vous faites juste ces deux boucles là et vous le passez. Passez-le avant de commencer à travailler, etc. Parce qu'après, si vous l'avez pas bien, si vous n'avez pas eu l'œil et que vous l'avez mal fait au mauvais endroit les manches, ben c'est dommage parce que tout défaire, ça va vous rendre un petit peu folle. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tout simplement une laine, comme je vous disais. Vous faites un petit nœud provisoire, comme ceux qu'on fait dans les lacets. Voilà, ici, vous faites quelques mailles chaînettes et vous vous accrochez. Vous faites pareil de l'autre côté et vous le passez. Et si vous voyez que vous êtes trop bien, là, c'est que c'est bon, vous pouvez continuer. Donc, ceci dit, maintenant, on va passer tout simplement au rang, comme je vous disais, en reprenant la séquence qu'on devrait faire. J'ai complètement terminé. Donc maintenant, comme je vous disais, on va attaquer un nouveau rang, tout simplement. Et la séquence que je devais faire, c'est 13 petites V et une augmentation. Donc je vais faire la séquence normalement. Vous voyez, je ne change pas la séquence d'endroit. Je continue normalement. Donc 1, 2, 3, 4. Et sous les mailles en l'air, je passe et je fais ma deuxième bride. J'ai fait ma première V, vous voyez, de mon rang. Maintenant, je passe à la petite V suivante. Pareil, je fais ma deuxième. Une bride, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Et je continue ainsi jusqu'à avoir les 13. Je suis arrivée à la manche en fait, donc je vous avais dit de faire votre séquence, mais bien évidemment, comme on arrive dans la manche, je vais vous montrer. Donc tout simplement, je viens sauter une seule maille et dans la suivante, donc dans la deuxième des 24 que j'avais fait, je fais ma première petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride.
Faites pareil pour toutes les tailles. Vous sautez une maille, vous faites déjà la première V. Ici, de nouveau, je saute deux mailles. Dans la suivante, je refais une V. Une bride, une maille en l'air et une bride. On saute deux mailles et dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. De nouveau, on saute deux mailles. Dans la suivante, pareil. Une bride, une maille en l'air et une bride. Donc là, j'en avais 7. 8, 9, 10, 11. Je continue. Je saute deux mailles. Dans la suivante, pareil, une petite V. Quand on recommence, je saute deux mailles. Dans la suivante, une petite V. Et là, j'en ai au total 13. Quand vous avez vos 13, vous devez faire, ben, si vous faites la même taille que moi, vous faites, bon, donc vous sautez deux mailles et dans la suivante, vous faites votre augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Là, j'ai fait mon augmentation. À partir de là, vous continuez toujours pareil à sauter deux mailles, donc une, deux. Dans la suivante, vous faites une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, je passe directement, vous voyez, aux petites V qu'il y avait déjà. Donc là, je devais faire 8, parce que 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous voyez? Donc l'augmentation, je le compte, vous voyez ici, pour 1. Donc ça fait 8 motifs, tout est bon, vous voyez? Vous devez travailler dans vos mailles chaînettes, normalement, sans vous poser de questions. Donc à partir de là, on continue, on vient travailler, donc là après l'augmentation j'ai déjà la première, je vais dans la petite V que j'ai ici et je fais une petite V, donc le motif tout à fait normalement. Là je suis en train de faire ma deuxième et au total de nouveau j'en refais 13 et après il y aura l'augmentation et vous allez poursuivre de cette façon jusqu'à terminer. Donc vous faites les V que vous devez faire et ensuite vous passez à votre augmentation. Ainsi de suite. Quand vous arrivez à la deuxième manche, pareil, vous continuez votre séquence. Donc toujours on saute la première des mailles, on commence à travailler à partir de la deuxième et entre V et V, on saute deux mailles, tout simplement. J'ai terminé complètement mon rang, maintenant j'unis, donc je compte 1, 2, 3 au départ ici et je fais ma maille coulée. Maintenant, après avoir uni, on commence pareil. Donc là, on doit faire le rang de petites boucles. Donc, une maille en l'air. Ici, dans la première V, une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée au même endroit dedans la V. Je vais dans la V suivante et je recommence. Donc, vous allez faire tout le rang avec vos petites boucles et on se retrouve pour que je vous donne les explications pour pouvoir poursuivre, en fait, votre gilet. Le plus compliqué ici, c'était de former les manches. Donc, une fois qu'on a formé les manches avec l'astuce que je vous ai donnée avec la deuxième laine, ben maintenant c'est tout va bien. Il faut juste, vous voyez, travailler en circulaire, en respectant les augmentations. Et votre gilet mandala va se former tout seul. Donc vous continuez à faire votre rang de petites boucles. Et on se retrouve une fois qu'on l'a toute terminée. Quand vous terminez le rang, tout simplement, vous venez piquer dans la première maille serrée de départ et vous faites la maille coulée. Donc comme on a uni tous les autres rangs en fait avec les petites boucles. Donc maintenant pour pouvoir continuer chacune de son côté, ce que vous allez faire c'est tout simple. Vous allez regarder que votre cercle reste cercle. Donc par exemple ici je vois, vous voyez que c'est trop droit. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une augmentation par ici. Ici pareil, vous voyez, j'essaye de répartir mes augmentations pour que ça reste toujours en cercle. Donc je vais vous donner un exemple plus qui se voit mieux. Par exemple, ici, il faudrait une augmentation, vous voyez. Donc, là, pour commencer la séquence, je regarde ce que j'ai en face de moi. Vous voyez. Et je vais venir calculer à peu près que toutes mes augmentations, elles doivent arriver, vous voyez, une ici. Je vais essayer de les espacer d'une façon que les augmentations arrivent là où c'est plat. Et comme ça, on va arriver à faire un cercle.
Donc ça, c'est très important. Il ne faut vraiment pas que les augmentations tombent toujours exactement au même endroit. Donc pas la peine de vous marquer sur un papier, etc. C'est juste que vous regardez devant vous et vous voyez. Si par exemple dans ce rang, vous voyez, ici je trouve que par exemple il me faudrait une augmentation de là, mettons, ben, je commence avec un certain nombre de petites V, je fais l'augmentation. Et après je reprends la séquence normale. Par exemple, moi je dois faire maintenant 14 V, une augmentation, 14 V, une augmentation. Donc avant de faire les 14, je vais regarder où ça va tomber les 14. Donc là, par exemple, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, l'augmentation. Bien, moi, ça ne me convient pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Donc, je vais commencer ici par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je ferai mon augmentation. Et ensuite, je vais laisser donc les 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ça arrive ici. Voyez, là où je vous avais dit que je voulais faire une augmentation tout à l'heure. Vous faites en sorte que les augmentations ne tombent jamais au même endroit. J'ai terminé de faire une manche donc entière. Maintenant, je vais vous montrer, donc on va le faire ensemble pour la deuxième. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. On va commencer avec le crochet 4,5 et ensuite on finira avec le crochet numéro 4 quand on arrivera à peu près ici. Vous voyez que le bras il devient de plus en plus mince. Et bien là, on passera donc au crochet numéro 4. Pour l'instant, on reste avec le 4,5. Donc, regardez, il est réalisé exactement avec le même point. Je vais vous faire un petit zoom et vous allez bien voir donc la continuité, vous voyez, de la manche. Et à la fin, j'ai terminé par le point élastique. Donc, on va venir s'accrocher et on va commencer à faire un rang où on fait donc les petites bouclettes. Puisque là, vous voyez, j'ai un rang de petites V, donc moi par-dessus je dois faire les petites bouclettes. Donc on va venir se rattacher, regardez, ici on a deux extrémités. Dans celle d'en bas vous avez une V, vous venez à l'intérieur, vous ramenez une maille en l'air, et maintenant on fait donc dans cette V là une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Je passe dans la V suivante et pareil, une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. En fait, ce que le point normal, hein, donc dans toutes les petites V que vous allez voir, vous allez faire une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. Je suis arrivée, vous voyez, donc là j'ai commencé ici avec vous et je suis arrivée à l'autre extrémité. J'ai fait ma dernière petite V ici et là j'arrive, vous voyez, il va avoir un relief ici. Regardez, voilà ce que vous devez obtenir ici. Donc vous allez dans cette petite V ici faire une maille serrée. Maintenant vous faites trois mailles en l'air. Et dans la petite V suivante qui est là en face, vous voyez, il y a une petite V ici en face de la bleue. Vous venez piquer, vous faites une maille serrée. Maintenant on va passer au motif suivant. Tout simplement on a des V ici, mais à l'envers. Donc on a une bride et une bride et au milieu un espace. Vous voyez? Donc au milieu vraiment où il y a l'espace, vous venez piquer et vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air et une maille serrée. Je vais dans la V suivante au milieu. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Dans la petite V suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Vous voyez? Et vous allez venir donc faire votre tour de cette façon. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée. J'ai fini de faire tout mon tour donc de la manche. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc quand vous arrivez à la fin, vous allez faire comme de l'autre côté. Ici on a une V, dedans une maille serrée, trois mailles en l'air et dans la V qui est en face, une maille serrée. Et maintenant, on est prête pour unir à la première maille serrée du rang. Au total, ici, moi, personnellement, j'ai fait 18 V. Mais vous pouvez en avoir moins ou plus. De toute façon, ce gilet, il est vraiment fait sur mesure. Donc, vous allez venir faire une maille coulée. Vous voyez, en passant par derrière la petite boucle. Vous venez piquer le crochet, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Maintenant, 4 mailles en l'air.
et au même endroit, vous faites une bride. Donc le point tout à fait normal. Vous passez en dessous les trois mailles en l'air et vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez ? Je passe de nouveau sous les trois mailles en l'air, je pique dans la V précédente et je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Et bien ceci, vous allez le faire le nombre de motifs que vous ayez obtenu donc à la formation de la manche jusqu'à obtenir ici tout le rang de V. Et quand on arrivera là, on se retrouve pour unir. Je voulais vous montrer quand vous arrivez ici, voyez, dans la boucle qu'on avait formée en faisant une maille serrée dans cette V et une maille serrée ici, vous venez soulever, vous attrapez un petit morceau ici qu'on a là. Donc vous venez piquer en prenant un petit morceau et vous faites votre V. Une bride, une maille en l'air et au même endroit, vous venez donc repiquer exactement là où vous avez pris, vous voyez. Et vous faites une bride. Et maintenant vous passez à vos petites boucles normales. Vous voyez? Et de cette façon-là, on a formé une petite V en dessous. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire ce que vous devez faire, parce que c'est vraiment tellement facile. Donc, vous allez tout simplement faire un rang tout entier de petites V. Ensuite, un rang avec les petites boucles. Un rang de petites V, un rang avec les petites boucles. Et vous allez travailler de cette façon-là, jusqu'à arriver, comme je vous disais, à la moitié du haut du bras. Donc, quand vous arrivez à partir de là, vous pouvez déjà prendre le crochet numéro 4. Tout simplement. Donc, quand on arrivera là, je vais vous montrer, puisque non seulement on va prendre le crochet numéro 4, mais on va faire une petite diminution. Donc quand on arrive là, on se retrouve tout ensemble, et pour passer donc aux petites diminutions. Je suis arrivée à la moitié du bras, donc tout simplement, moi personnellement, j'ai fait 10 rangs de V en fait. Maintenant, je passe au crochet numéro 4, donc je le prends maintenant. Et je vais venir commencer un rang de V, mais regardez, vous faites la maille coulée, et vous montez cette fois-ci au lieu de 4 mailles en l'air avec 3, qui équivaut à une bride. Je reviens dans la V précédente et je fais une bride. Je supprime à partir de maintenant les mailles en l'air. Vous voyez? Donc ici, je vais dans la V suivante, je pique dedans et je viens faire de nouveau une et une deuxième, vous voyez, bride. Et je vais faire ça dans chaque V. Une et deux brides. Une et deux brides. Donc vous terminez le tour de cette manière et on se retrouve. J'ai complètement terminé mon rang, maintenant regardez. Donc à la fin j'ai uni à la troisième maille en l'air de départ. Maintenant on doit faire le rang où on fait les petites boucles, donc les mailles en l'air. Et la différence va être qu'on fait une maille en l'air. On écarte un petit peu les deux brides et au milieu on fait une maille serrée. On fait maintenant deux mailles en l'air de séparation. Et on revient faire une maille serrée dans l'espace. Je passe dans ma V suivante et pareil. Donc, c'est deux brides, vous voyez. Mais il y a quand même un petit trou si vous regardez bien au milieu. Vous piquez, vous faites une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée. Vous voyez? Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout le rang. Ensuite, vous unissez normalement à la première maille serrée. Vous allez répéter donc le rang de V que je viens de vous montrer là. Donc, c'est-à-dire deux brides dans le même espace. Et une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Et vous allez alterner ces rangs jusqu'à arriver ici. Vous voyez? Et là, on passera à la partie donc élastique. Vous vous arrêtez où vous avez envie. Hein, ça y aura un morceau de point élastique. J'ai terminé. Donc, quand vous arrivez, comme je vous disais par là, vous vous arrêtez. Tout simplement, j'ai arrêté avec un rang de brides. Et directement, on va commencer le point élastique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous enveloppez les trois mailles en l'air que vous avez devant vous en relief par devant et vous faites une maille coulée. Maintenant, une, deux et trois mailles en l'air qui équivaut à une bride. La bride suivante, vous allez l'envelopper par derrière et vous la faites en relief par derrière. La suivante, en relief par devant. La suivante, en relief par derrière. En relief par devant. En relief par derrière. Et vous venez alterner tout le rang entier. J'ai quasiment terminé mon tour, il me reste ici ma dernière bride. Donc là,
je vois qu'il faut que je la fasse en arrière pour continuer la séquence. Maintenant, ici, vous avez les mailles en l'air de départ. On va venir compter la troisième. Donc, 1, 2, 3. Et vous faites votre maille coulée. Maintenant, le deuxième rang en poids élastique jusqu'au illimité, en fait, vous allez répéter ce rang-là que je vous montre. Donc, c'est pareil, regardez. Vous enveloppez les trois mailles en l'air par devant. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Trois mailles en l'air. Et maintenant, vous allez regarder et crocheter comme ça se présente. Donc ici, par exemple, on a une bride en relief par derrière. Donc, on la prend en relief par derrière. Celle-ci est en relief par devant, vous la prenez en relief par devant. La suivante en arrière, vous la prenez en arrière. Celle-ci en relief par devant. Et vous venez crocheter donc les brides comme elles se présentent jusqu'à terminer complètement la partie élastique. Vous voyez ? Que vous souhaitez, puisque ça vraiment c'est vraiment personnel. Donc vous allez venir terminer les rangs comme dans le rang numéro 2 et les commencer comme dans le rang numéro 3. J'ai terminé de faire la partie élastique qui me convenait et comme vous pouvez voir avec l'astuce que je vous donne d'envelopper les trois mailles en l'air, vous voyez, c'est tout est pareil. Donc maintenant on fait une maille en l'air, vous coupez le fil et vous tirez. Donc moi j'ai juste coupé le fil à l'avance, mais voilà. Et là vous avez terminé complètement votre manche. Maintenant vous devez vous rattacher de l'autre côté et faire la deuxième manche à l'identique. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura complètement terminé le gilet. Donc je vous montre de l'autre côté, vous voyez. Donc vous avez les manches et vous avez donc votre joli cercle, vous voyez. Donc avec cette laine, c'est vraiment trop joli. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte en fait du relief qu'on a. Donc je vais le mettre comme ça, je ne sais pas si on verra mieux. Vous voyez le relief tout le long. Donc c'est vraiment un très joli projet. Donc voilà, je vais cacher mes fils et on se retrouve. Discovered that you're stuck in a blast of yesteryear. Forget all the problems just for the moment. That is the kind of story you should see.